Je vois pas ma maison. Eh oui, les amis, je suis en route pour aller retrouver les membres de l'équipe, notamment Julien et Ghost. Alors là, je crois que Ghost n'est pas là, mais Julien est là et avec les petits bugs de création de factions, de machin, de bidule, il est coincé dans son propre vaisseau, donc je vais essayer d'aller le rejoindre. Voilà ce qui peut se passer dans un jeu qui n'est pas encore terminé. Mon corps vient d'être téléporté à travers la montagne et c'est une catastrophe. Je suis dans la, je dois être en dessous la map. Et bien voilà les amis, la partie est maintenant chargée. Nous nous retrouvons donc sur cette magnifique planète de starter, de départ, sur le serveur Le Repère du Geek Forcené. Alors si vous savez pas trop un petit peu ce que je fais sur ce serveur Le Repère du Geek Forcené, eh ben je vous invite à cliquer sur le lien là, regarder un petit peu la vidéo précédente où grosso modo je vous explique que je joue maintenant sur un serveur et vous pouvez venir nous rejoindre parce que je suis pas tout seul, je suis en compagnie. Alors pas pour cette vidéo, hein, mais dans notre faction il y aura donc Julien, Dugasty, Kirito, Ghost TV, Crenio, c'est moi-même pour le moment. Crenio, je crois qu'il nous a pas rejoint encore, mais ça devrait pas tarder. C'est un habitué de toute façon. Alors moi, pendant que je faisais mes petits trous à droite, à gauche pour récupérer un petit fragment de cuivre ou un petit truc de fer ou n'importe quoi, eh bien sachez que Julien et Ghost TV, eh ben ils ont bossé un petit peu. Alors moi j'ai dû récupérer. Qu'est-ce que j'ai récupéré dans mon sac? Ah oui, je suis mort. Oui, j'ai dû tout refaire en fait. Donc c'est normal que j'ai buggé. J'ai respawné à l'intérieur de la planète. Et donc j'ai dû paumer tout le matos que j'avais. Mais j'avais rien. Hein. J'avais que de la merde. Et donc, eh ben, dans le même laps de temps. Alors déjà, il y a Julien qui a fait tout le Discord. Le Discord qui est tout complet, énorme. Donc il a fait le Discord. Et avec Ghost, eh ben, ils ont fait deux, trois petites choses. Notamment. Comment dire? Voilà. Ils ont fait spawner ce magnifique Capitole Vesseul. Regardez-moi ça comme je suis tout petit sur cette immensité. Oh oui, c'est de toute beauté. Mais c'est pas tout. Bah ben non, évidemment. Ils ont... Ah, mais il y a un petit vaisseau derrière, j'avais pas vu. C'est un vaisseau ça ou c'est un. Non, il y a un petit vaisseau sur le gros vaisseau, mais j'avais pas vu. Et il y a aussi. Alors celui-ci, je pense qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait spawner. Hein. Mais ça enlève rien à la performance. Et on a aussi. Bah, on a une base. Bah ouais. Logique, on a une base. Alors sachez en plus que la base est totalement éphémère parce que le serveur est wipe tous les premiers du mois. Et là, on doit être le 10, je crois, le 10 octobre. Et ce qui fait que, eh ben, il faut qu'on ait réussi à quitter la planète tous ensemble avant le premier du mois prochain. Et ça, c'est le plus difficile parce qu'on a beaucoup de mal à se rencontrer sur les serveurs parce qu'on bosse tous. Voilà, c'est un peu compliqué. Alors voilà un petit peu, on va faire un petit peu le tour de ce que Julien et Ghost ont réalisé. Ils ont fait un boulot de malade. Mais oui, c'est un deuxième vaisseau. On dirait le vaisseau dans Destiny. Est-ce que celui-ci c'est un vaisseau à part entière? J'en sais rien du tout. Ah, attendez, attendez, qu'est-ce qui est impossible? Cockpit, autre faction. Alors oui, on a un petit problème, hein, deux fois rien. C'est que du coup, bah, je ne suis pas dans la bonne faction. Il faut que l'on se voit tous ensemble pour réussir à essayer de régler ce petit problème-là, parce que là, on peut plus accéder à rien du tout. Et Julien non plus, du coup, parce que Julien, je l'ai intégré à ma faction. Et du coup, le pauvre vieux, bah, il a plus accès à que dalle. Il doit y avoir plus que Ghost, éventuellement, qui a peut-être les accès. Et donc, faut qu'on voit un petit peu comment faire. Alors, ils ont fabriqué aussi cet autre petit vaisseau. Alors bon, là celui-ci ça ressemble beaucoup plus à ce que moi je pourrais faire, hein. Là on est clairement sur un vaisseau fonctionnel, donc un petit vaisseau quand même, hein, et mine de rien, eh ben, il existe, hein, il est quand même il est quand même présent, donc c'est quand même pas mal. Ils ont fabriqué aussi un sol pour une base. Donc du coup, j'ai l'impression qu'il n'y en a peut-être plus besoin. Ou alors peut-être qu'ils voulaient fabriquer un sol. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai pas vraiment échangé avec eux. Peut-être pour poser cette base-là. Je ne sais pas du tout. Et on a donc cette fameuse base énorme là, alors, qu'ils ont aussi créée. Alors je ne sais pas s'ils l'ont fait spawner, j'espère. Parce que sinon, c'est un boulot de malade. Par contre, la porte s'ouvre pas. C'est normal. C'est pas grave. On va rentrer de cette manière. On va allumer la frontale et regarder un peu le boulot de malade. Alors s'ils l'ont pas créé et qu'ils l'ont fait spawner, il a quand même fallu un max de ressources. Le truc, il a des tourelles de partout et comme ça on a. Attendez, on a un genre de pont-levis qui s'ouvre tout seul. Est-ce qu'il va se refermer là? Je suis pas assez loin? J'en sais rien. Attendez, si je me mets là. Non, bah, regardez-moi ça, c'est quand même. Même à la maison, j'ai pas ça. Alors il y a tout un tas de trucs, hein, bien sûr. Je peux pas allumer le cœur parce que je ne fais pas partie de la bonne faction.
On a des petits couloirs à droite, à gauche, devant, derrière. On a plein de trucs que je ne peux pas visiter, bien sûr, parce que je ne suis pas chez moi. Et ben ils veulent pas, du coup, je peux pas visiter. Mais le boulot est dingue, hein. Clairement, ils ont fait un truc de dingue, de dingo. Donc c'est plutôt super chouette, c'est stylé. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est vraiment très très beau. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir partir avant la fin, enfin le prochain wipe zone. Ah mais c'est une serre ça, j'avais même pas vu qu'il y avait une serre. Ils ont fait une serre. Non mais les mecs, quand est-ce que vous avez eu le temps de faire ça? Moi en 3 mois j'ai eu le temps de rien faire. Je peux pas l'ouvrir. Bon, et c'est fou quand je vois quand même ce qu'ils sont capables de faire en si peu de temps quoi. Bon bah voilà, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'a pas tous... Alors j'ai le... Il y a le... Il y a Ghost ici qui est là, je sais pas. Est-ce que c'est l'endroit où il s'est déco? J'en sais rien. Donc peut-être qu'il va être là. Ah merde, je suis tombé. J'en sais rien. Mais c'est assez rigolo. Donc la base est protégée via des tourelles en plus. Vous avez vu, il y a des tourelles à chaque coin. Maintenant on a des purées de tourelles de la mort qui déchirent. Hein. Alors je sais pas si c'est des tourelles laser ou si c'est des tourelles à munitions. Trop classe. On a même une station, une espèce de station radar ici. Allez, moi ça, c'est vraiment trop classe. On a donc le petit vaisseau ici et l'énorme capital vaisseau, le vaisseau mère ici. Regardez-moi ça. Franchement, si on prend la taille du petit vaisseau qui est juste là, vous voyez, là c'est un petit vaisseau. C'est un petit vaisseau qui vous permet quand même d'aller dans l'espace, de vous balader, tout ça. Vous pouvez pas faire des gros sauts par contre, hein, parce qu'il n'y a pas la place de mettre les moteurs à distorsion ou je sais plus quoi. Mais regardez-moi ça, on peut mettre 10 vaisseaux, 10 petits vaisseaux alignés pour avoir le gros. C'est un truc de dingue, la météo est vachement bien foutue sur ce serveur aussi. Ça bouge, ça change très régulièrement, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, alors, où est-ce que se situe cette base? Si vous voulez nous rejoindre, parce que dans la précédente vidéo, je vous avais donné rendez-vous. Je vais dézoomer. Il était où ce truc? C'était pas ça? Non. J'avais donné rendez-vous ici, je crois, à l'obélisque. Ouais, ça c'est le rendez-vous que j'avais établi avec vous dans la précédente vidéo, l'obélisque ici. Alors, je vous donne les nouveaux points de coordonnées pour rejoindre cette base. Et c'est quoi ça, tout ça? On s'en fout. Donc c'est ici à la base et les coordonnées de cette base, elles sont affichées en bas. En haut à droite, si vous regardez en fait, dès que je clique, vous voyez les chiffres bougent. Et quand je clique donc sur base, les coordonnées sont là. Donc notez bien les coordonnées et c'est là que se trouve notre base. Alors, si on réussit à régler le petit problème de faction, on a un petit problème de faction, du coup je peux pas entrer dans les bases, ni dans les vaisseaux, ni tout ça. Faut qu'on joue avec Julien et puis Ghost, comment on peut essayer de régler le problème. Et puis, si toutefois vous n'avez pas la possibilité de nous rejoindre à la base, eh ben on viendra vous chercher d'un coup de vaisseau. Bah oui, enfin si on arrive à faire quelque chose. Donc voilà. Voilà un petit peu, parce que l'objectif, n'oubliez pas, c'est tout simplement de quitter la planète avant le premier. Alors si vous voyez cette vidéo à un mois après ou deux mois après, eh ben c'est pas grave, rejoignez-nous sur le Discord, il y a toujours le lien sous la vidéo, et on viendra vous chercher en vaisseau, histoire que vous galériez pas tout seul dans votre coin sur la planète Starter. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire actuellement sur le serveur, qui est plutôt très sympa. Hein. J'ai hâte d'aller dans l'espace, de voir un peu les autres planètes, un petit peu à quoi ça ressemble. Je risque d'avoir beaucoup de regrets de devoir quitter cette base. Ça va me faire quelque chose le 31 octobre, du coup, de me dire merde, demain cette base sera wipe, parce que là, franchement, il y a une base de malade, ça va. C'est notre maison, quoi. Et du coup, la maison, ce sera plus notre maison, on n'aura plus qu'un vaisseau. Et si le vaisseau est détruit ou je ne sais pas, du coup, comment ça se passe? On sera vraiment dans la merde. Donc voilà, cette vidéo, moins de 10 minutes, c'est plutôt cool. Eh bien, c'est uniquement pour vous présenter un petit peu ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo. Et honnêtement, les gars, bravo, vous avez fait un boulot de malade. Mention spéciale, du coup, à Juju pour le Discord. Et à Ghost, qui a largement contribué à avoir tout ce qu'on a là. Et puis les autres, ça sera avec plaisir qu'on va pouvoir faire des trucs. En sachant que moi, je serai le joueur le plus mauvais de la faction. Allez, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, like, partage, fais ce que tu veux, ça m'empêchera pas de jouer. Et puis surtout, rejoins-nous. Je mettrai sûrement sous la vidéo le lien du Discord, ça c'est sûr, et le lien pour nous rejoindre sur le repère du geek forcené. Allez, prends soin de toi et moi je te dis à bientôt sur, je sais même plus comment s'appelle cette planète, mais sur Empyrean Galactic Survival. Allez, salut tout le monde.